I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien à la maison. Je suis Jonathan Drapeau, a.k.a. Johnny D. Je suis avec mon partner de toujours, Benoît, a.k.a. Nostradaben. Comment ça va, mon Ben? Ça va bien, mais comme d'habitude, je suis fatigué. Ouais. Je suis un oiseau de nuit, tu le sais. Yes, grosse fin de semaine. Ouais, pas mal. Yes, ouais, oui, moi aussi. Un petit week-end à l'hôpital, mais tout va bien, c'est réglé. Ouais, mais tant mieux. Yes. Chers amateurs de lutte, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast saison 5 et on a nul autre que la lutteuse de l'année, championne junior heavyweight de la NSPW. Une grande chance de pouvoir l'avoir. Elle est très occupée en ce moment. Merci beaucoup, Lou O'Farrell, qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Salut, ça va bien. Puis vous autres, les gars, comment ça va? Oui, ça va bien, super merci. Bien. On est vraiment content que tu aies pu prendre quelques minutes avec nous. Hey, on se rend compte, dans le fond, le Lou, là, hey, on se connaît pas. Zéro. C'est genre la première fois qu'on a la chance de se parler. Puis je pense que ça va être vraiment le fun de découvrir, en fait... Lou O'Farrell, mais aussi Lou Biron, la fille derrière le personnage du Phoenix. Je pense que ça va être super intéressant de pouvoir avoir les détails de tout ça. Donc, je te laisse le micro, mon ami. Tu peux. Oui, exactement. Ouais, c'est ça, comme il dit, mon collègue, ton vrai nom, c'est Lou Biron. Mm-hmm. Comment était la petite Lou Biron dans son enfance? Là? La petite Lou Biron dans son enfance, c'était. D'après les descriptions qu'on a faites de moi quand j'étais enfant, je pétais le feu. Là. J'étais quelqu'un qui... j'avais une amie au secondaire là, qui m'appelait le petit lapin énergisaire, là, si ça peut vous donner une idée. Fait que j'étais du genre à avoir beaucoup d'énergie et à sauter partout. Puis ben, j'ai découvert la lutte aussi quand j'étais enfant, comme la plupart des lutteurs qui luttent aujourd'hui au Québec. Mon premier contact avec la lutte, ça s'est fait quand j'étais à peu près... j'étais jeune, je pense que j'avais 5 ou 6 ans. OK. C'est jamais quelque chose que j'avais pensé faire de ma vie. Là. Moi, c'était un show que j'écoutais à la télé avec mon père et mes frères, puis ça finissait là. Tu sais, c'était... tu sais, je jouais au Barbie, là. Puis quand j'écoutais la lutte, je trippais sur Stone Cold Steve Austin. Ton Ken, toi, c'était Stone Cold Steve Austin. Oui, ça, c'est sûr. J'ai toujours trouvé ça drôle. J'aimais ça, l'attitude qu'il y avait, j'imagine, en rentrant sous le ring. Fait que ça a été mon coup de cœur. C'était mon coup de cœur. Nice. Enfin, Stone Cold. Vraiment nice. Tu nous parles de ton enfance. Comment ça s'est fait, dans le fond, la transition? Quelles ont été les réactions avec tes parents? Tu sais, comment tu as fait pour... comment ils ont pris ça quand tu leur as annoncé, en fait, que tu voulais devenir une lutteuse professionnelle? Ben, j'étais pas la première dans la famille à leur dire ça. C'est à cause de mon frère si je fais de la lutte aujourd'hui. OK. Quand j'étais adolescente, c'est là que j'ai comme repris contact avec la lutte. Okay. Parce que mon frère a commencé à lutter pour la promotion qui existait dans ce temps-là à Sherbrooke, parce que j'ai une chance. Oui, on va en parler. Il luttait pour la SCW dans ce temps-là. Ouais. Fait que c'est que mon premier contact avec la lutte live, ça a été un show de lutte local à Sherbrooke sur lequel mon frère luttait, puis j'étais premier rang en avant, puis j'ai vu ça passer. Puis moi, je faisais du théâtre pendant ce temps-là au secondaire, quelques années déjà, fait que tu sais, je connaissais déjà le côté théâtral, puis je savais que c'était une chose qui donnait, évidemment. Puis j'ai tellement trouvé ça le fun comme mélange, la chorégraphie, puis la violence du combat qui est mise en scène, que j'ai fait « Oh gosh, il faut que j'essaye ça ». Fait que c'est à cause de mon frère si j'ai rentré dans les rangs de la SCW quand que j'ai eu l'âge pour rentrer. J'avais 16 ans dans ce temps-là, ça fait quelques années quand même. Puis fait que c'est ça, j'ai commencé à lutter avec ça, puis quand j'ai... Moi, j'ai parlé à mes parents. La réaction, elle a été mitigée. Donc,
Mon père a toujours trouvé ça niaiseux que je fasse un peu de la lutte. Je vais être ben honnête, il trouve ça toujours un peu niaiseux. Il aime ça, tu sais, il sait que je performe bien, j'aime ça, tu sais, il est content pour moi puis tout, mais il y a toujours une partie de lui qui a toujours été réticente au fait que je fasse ce sport-là. Ma mère, j'imagine, comme n'importe quelle maman qui aime ses enfants, elle m'a encouragée dans ce que j'aimais faire. Elle m'a appuyée comme elle a pu le faire. Elle n'a pas beaucoup de moyens. Fait que, mais elle me payait mes cours de lutte quand j'avais 16 ans. Là, elle était contente que j'aille trouver quelque chose que j'aimais, j'imagine. Fait que c'est super, ça. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Dans Et puis, en parlant de cours de lutte, justement, toi, je pense que tu avais une question pour Lou. Ouais, c'est ça. Comme tu l'as dit tantôt, tu as commencé à la SCW de Sherbrooke. On se doute un peu c'est qui, mais c'est qui t'a entraîné? On se doute un peu c'est quoi la réponse? C'était un amalgame de tout le monde, je te dirais. Il n'y avait pas d'entraîneur fixe qui était les plus vieux de la promotion qui prenaient sur eux de traîner les plus jeunes. Patriot Séguin, Michael Knox, Psychopath, il y avait Chopper un bout, Marc Saint-Onge, qui lui qui était promoteur de la promotion, Pascal Cadorette aussi a donné quelques cours, il y avait Dumbo aussi en donnait des cours, puis tu sais, j'ai appris un petit peu de l'amalgame de tous ces gars-là. OK. Puis, je peux pas dire que j'ai été entraîné par telle personne. Il y a eu trop de personnes qui m'ont shapé dès le début. Fait que je suis un amalgame des vétérans de la SC dans le temps de, je te dirais, 2008, là, 2007-2008. Ben, tu vois, pour ma part, là, je t'ai découvert, je crois que c'était en 2006. Ouais, non, un peu. 2007 ou 2006, c'était pour le show de Steve Rush à Sherbrooke. Il avait fait un show de la CWC parce qu'il revenait dans le fond de sa ride avec Snyder pour le banquier. Puis il avait fait une espèce de gros show. Puis je me souviens que t'étais présente sur le show. Il luttait avec, si je me rappelle bien, Josiane de Pussycat. Eh mon Dieu, it's been a while. Contre, c'était Sweet Cherry. Puis, Ça fait Calamity. Un méchant bout. Sweet Cherry puis Calamity. Hey, c'est malade. Puis nous, on a une anecdote parce qu'on est sûr à 100% de ça. Puis je veux juste en ouvrir une petite parenthèse. Mais ce soir-là, il y avait Sylvain Grenier. Puis je suis certain que Sylvain Grenier était avec Demise dans la foule. En tout cas, j'ai des flashs de ça. Là, et ça dit Demise? Ben, ça se peut pas. Ben, c'est certain. Puis même mon père serait là. Puis il dirait la même affaire. Si j'avais partagé un backstage avec Demise, je m'en rappellerais. Ouais, mais il était pas. Tu sais, c'est comme au début. Là, ouais, sa gimmick de punk. Sa gimmick de punk. Ouais, il était young. Là. Il était vraiment young. Je pourrais même pas répondre. Nice. Ensuite de ça, là, tu nous as parlé de que tes idoles de jeunesse étaient Stone Cold Steve Austin, mais tu sais, à part la lutte, c'est qui tes influences ou des idoles de jeunesse, tu sais, tout milieu confondu? Moi, j'ai trippé gros sur Linkin Park, adolescent. Nice. Band. Je trippais sur ce band-là. Mais l'album Hybrid Theory a changé mon existence. tout à fait. C'est ce qu'ils ont mis sur la map pas mal. Moi, c'était Chester Bennington. J'avais un kick sur Chester Bennington. Puis du côté Hollywood, moi, j'étais style Orlando Bloom dans Pirates des Caraïbes. OK, vraiment comme complètement là, différent là, à l'opposé. Mais niveau musique, je suis tombée dans le punk new metal un peu quand j'étais adolescente. Mais j'ai vraiment trippé Linkin Park, ça. Nice. Mais c'est, ils ont tous sorti comme back-à-back. Il y a eu Korn, Limp Bizkit, Linkin Park, j'écoute encore aujourd'hui, là. Slipknot. C'est toutes des affaires qui ont super bien vieilli. Puis c'est le fun parce que dans le fond, le podcast... C'est du rock puis c'est de la musique. Fait que c'est parfait qu'on en jase, là, tu sais. Veux-tu continuer, mon ami? Ouais, exactement. Je vais continuer, bien sûr. Lou, si tu n'étais pas lutteuse, quelle sorte de sport voudrais-tu faire et pourquoi? Oh, bonne question. Quel genre de sport je voudrais faire? Ce serait probablement quelque chose qui se produirait en nature, style de l'escalade. Oh, genre de l'alpinisme, là. Ouais. Okay. Ça serait peut-être plus mon style ou genre de la rando en montagne. Moi, j'aime faire de la rando en montagne. J'aime ça. J'ai déjà fait, là, puis tu pars 3 jours de temps dans une traque, t'as tout
tout sur ton dos, puis tu fais la traque. Puis ça, j'adore faire ça. Fait que ça serait peut-être des sports solo comme ça. J'ai déjà fait de la descente de rivière un peu, c'est le fun, c'est moins mon style. Mais je suis pas sport d'équipe, fait que je te dirais pas je ferais du hockey, genre, ou je ferais du individuel. Mais j'imagine que c'est pour ça aussi que tu as choisi la lutte, parce que oui, ça se fait à deux. Mais tu sais, t'es quand même, il y a une grosse partie que c'est individuel, tu travailles sur toi-même, tu chaînes ton personnage, tu chaînes tes skills de lutte, c'est quand même un sport qui est très individuel. Là. Absolument, oui. Puis ça fait aussi penser un peu aux jeux, tu sais, les jeux de société qui sont coop, là. Tu joues ton rôle, tu joues ton personnage, t'as des affaires à faire, mais tu sais, tout le monde joue ensemble contre le jeu. Moi, je vois un petit peu ça, la lutte, de la même façon. Là. C'est un peu, ouais, c'est vrai, c'est comme, tu sais, un livre comme... Ça date tes livres-là aussi. Oui. C'est une lecture secondaire. Oui, je me rappelle d'avoir fait quelques-uns. C'était tellement cool. Ouais, c'était cool. Des fois, tu te faisais avoir et tu ne lisais pas ton livre longtemps. Miva Farrell, ça a été ton premier bébé, en fait. Ton premier pseudonyme. On veut savoir, c'est une drôle de question, pourquoi tu as changé ton nom? Ben, en fait, c'est mon deuxième pseudonyme. Parce que moi, j'ai commencé à lutter à Sherbrooke en 2007. OK. En 2008. Mon premier match, c'était en 2008. J'avais 17 ans. Je m'appelais Lou. Je m'appelais juste... OK, juste Lou. OK. J'avais été arbitre un petit peu à la SCW, pardon. Il m'avait introduit sous mon vrai nom, tout bonnement, comme ça. Okay. C'était une première fois qu'il y avait une arbitre féminine à Sherbrooke. Fait que là, la foule avait une grosse réaction. Puis on avait des pas pires foules à SC. C'était un bon territoire. 100 personnes régulièrement. Fait que, tu sais, grosse réaction. Puis c'est resté. Quand j'ai commencé à lutter, j'ai gardé mon vrai nom. Puis là, j'ai arrêté de lutter pendant un certain temps. J'ai déménagé à Québec. J'ai été ramasser un baccalauréat. Puis je suis revenue à la lutte. Puis j'ai choisi Maeve parce que ça me faisait penser à un personnage que j'écoutais dans une série quand j'étais enfant. Puis que j'aimais beaucoup. C'est Sinbad le marin. OK. Il y avait un personnage dans la série qui s'appelait Maeve. C'était une magicienne. Puis, OK. Elle avait la longue chevelure rose bouclée, puis je la trouvais donc magnifique. Puis je m'étais inspirée de son nom, puis quand je suis allée voir ce que ça voulait dire, c'était un nom irlandais, vu que j'ai des origines irlandaises. Puis tu sais, mon nom de famille à la lutte, clairement irlandais, fait que ça fitait. Fait que j'avais pris Maeve. Mais ça n'a pas été long, ça n'a pas duré longtemps parce que on est dans une province très francophone. Les gens, des fois, surtout à Québec, je veux dire, si j'avais lutté à Montréal, ça aurait probablement mieux passé. Les gens auraient fini par apprendre comment le dire, mais à Québec, ça n'a jamais passé. Autant le dire que l'écrire, les gens n'ont jamais été capables. En venant de la pandémie, j'ai fait tout le monde m'appelle Lou Backstage anyway. C'est juste plus facile comme ça. Les gens, mais ils ne me replaçaient pas, mais Lou, ils replaçaient. Fait que j'ai fait on va revenir avec mon bon vieux nom francophone qui pogne. Je pense que ça a été une bonne décision, ultimement. Puis O'Farrell, dans le fond, comme tu le dis, c'est irlandais. Moi, j'ai de la famille, justement, O'Farrell, mais ça n'a rien à voir avec, genre, ta famille, là. Ben, moi, je suis une O'Farrell pour vrai. OK. Je descends vraiment du clan O'Farrell irlandais. Ça remonte à le grand-père de mon grand-père, toutes mes paternelles. Ouais, c'est un bonhomme irlandais qui est arrivé ici. Il s'appelait James O'Farrell. Puis ses parents sont décédés quand il était encore mineur. Fait qu'il s'est fait adopter par un monsieur qui s'appelle Antoine Biron. James O'Farrell, il est devenu Jacques Biron. Fait que c'est pour ça qu'il a perdu son nom. Mais nous, on n'a jamais perdu l'histoire. On a toujours su que le bonhomme, c'était un Irlandais, puis il s'appelle O'Farrell. Le bonhomme. Nice. Hey, on s'en parlera en privé. On pourrait. Yes. Puis par la suite. Oui, c'est ça exactement. On sait que tu as fait un ou plusieurs try-outs à la WWE. Comment tu as été recruté pour faire ce try-out-là? Je pense que c'est Steve Boutet de la NSP qui m'a plugué avec, je me rappelle bien, Steve Corino de la WWE. Puis comme il faisait un événement, c'était SummerSlam qu'il faisait à Toronto. En 2019, ils ont fait un try-out uniquement canadien. C'est pour scouter, j'imagine, un petit peu le talent qu'il y avait au pays. Puis, est-ce que c'était l'année où il y a eu Max Lemire, Dom Boulanger,
ou genre ça a été une autre année? Non, c'était cette année-là, oui. Cette année-là, ok, ok. Ouais. Okay, ouais, c'était cette année-là. Après, il y avait quand même un stack de New Monster. Wow. Une quarantaine là, de coast to coast. Là. On était ouais, une quarantaine de prospects. Puis, c'est ça, c'était impressionnant. C'était très impressionnant. J'imagine comment ça s'est passé. Comment, tu sais, ça s'est bien passé. C'était un mini try-out comparé à ce qu'ils font d'habitude. Parce que les vrais try-out, d'habitude, ça se passe en Floride, au Performance Center, où est-ce qu'on a 3-4 rings, puis ça roule, puis patati patata. Mm-hmm. Là, il y avait la place pour un seul ring. OK. Fait que c'était gros des drills. La première journée, c'était gros des drills. Et ils nous ont fait rouler sur le ring. Mais on a fait plein de petits trills, même à se pitcher d'un corde, à faire des petits bumps, patati patata, puis à faire des workouts en bas, puis à travailler d'autres aspects. Puis le lendemain, c'était la partie promo et la partie match. Fait que là, la veille, ils nous avaient mixé entre deux personnes. On avait un petit match de genre 5-6 minutes à monter. Puis on montrait ça à Jeff Bloom, puis à William Regal qui était là, puis il y avait le poster de la NXT aussi. Okay. Puis c'est ça, la promo, on avait une minute de promo à faire, puis on avait grosso modo carte blanche. Il dit, vous avez une minute, puis vous dites ce que vous voulez. Parce que la meilleure façon pour nous d'apprendre qui vous êtes, c'est de ne pas vous donner de ligne, c'est de ne pas vous donner de direction. Fait que parlez-nous de ce que vous avez envie de nous parler. Fait que c'est ça. On avait la promo à faire en matinée. Là, il fallait dress to impress, il fallait être habillé chic, puis on faisait nos petites promos. Puis après ça, ben on dînait, puis après ça, on avait les matchs en après-midi, puis c'était ça. C'était short and sweet, puis... Puis après ça, j'avais le Summit. Je luttais au Summit, qui était un show féminin qui mixait plusieurs promotions ensemble. Là. Il y avait Femme Fatale, il y avait Smash Wrestling, il y en avait un ou deux autres. OK. Non? OK, OK. Ouais, Shimmer, genre, j'imagine. Non? Il y avait Shimmer. Ouais, il y avait avoir Shimmer, ouais, c'est sûr. Okay. Shimmer, ça roule encore. Ben, je le sais pas. Ça me semble que ça a fermé. J'ai vu sur Wikipédia. Ouais, mais c'est ça. 2020-2021 que ça a fermé, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, ça se peut. Bon, ça, là, ça roule encore. Fait que j'imagine que oui, Shimmer était présent. En lien à Shimmer, tu as participé aux promotions de lutte féminine, dont Shimmer. Je crois que tu as participé aussi à Femme Fatale. Puis j'ai jamais fait Shimmer. T'as pas fait Shimmer? J'ai jamais fait Shimmer. Je pensais que tu avais lutté à Shimmer. C'est moi qui est impatent. Mais tu as fait Women's Wrestling Syndicate en fin de semaine. Oui, ça oui. J'ai même cassé la glace avec Daniel Léo. On était le premier match de la premier événement de la promotion. C'était, ouais. Puis, quelle promotion dans les deux? C'est quoi le vibe là-bas? Comment t'as trouvé ça? Ben, je veux pas te poser la question de préférence sur le fait que j'aimais plus Femme Fatale que... Mais, tu sais, les points forts des deux, mettons, les points forts des deux, mais là, c'est parce que c'est vrai que c'est dur à WWE si on fait un événement. Là. Ouais. C'est dur ça, à comparer une promotion qui fait une année qui roule. On s'en parle. Femme Fatale sont établies les samedis soirs. Ils ont un gros partenariat avec la NSP. Ils ont accès au ring, patati patata. Puis la WWE, c'est la même chose avec la IWS. Ouais. C'est dans une. Ils prennent leur salle, ils prennent leur équipement. Puis le crew aussi, pour jusqu'à une certaine limite, évidemment. C'est la plupart du crew est féminin. Puis, mais c'est trop tôt pour les comparer, je trouve. Ouais, surtout que la WWS a éventuellement des plans de faire des shows plus gros. Parce que là, c'est des petits shows, là. Ouais, c'est ça. 100 personnes, c'est intime, les gens sont agglutinés sur le ring. Je veux dire, je pourrais me whipper puis je pourrais péter quelqu'un en face, là. Tu sais, c'est proche-proche, c'est vraiment différent. Tandis qu'à Femme Fatale, c'est le gros ring de la NSP, t'as les guardrails, t'as de la place. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est que la WWS va être capable de faire des gros shows. On a envie de tâter le terrain, j'ai l'impression. On va avoir peut-être plus de jus pour commencer. Ouais. Oui, mais moi, Mais non, c'est normal. J'ai pas envie de faire ça, là. Non, c'est normal. Tu veux y aller, ouais? Ouais, ben, je vais reposer la question différemment, parce qu'il ne voulait pas faire de comparaison, comme on dit, mais ta fédération préférée au Québec, à part la NSPW, c'est laquelle? Non, je sais, c'est... Ah, là... Où tu as peut-être le plus d'affinité. Ouais, c'est ça, là. La FCL, je te dirais. Okay. OK. La FCL, parce que j'ai lutté un bout de temps là-bas. Foule, elle me connaît. C'est une foule qui est vraiment le fun avec laquelle travailler. Le crew, il est nice. Le monde backstage, j'ai autant les promoteurs que bookers aussi. Je m'entends super bien avec ces gens-là. Fait que la FCL. La FCL a une place spéciale dans mon cœur. Super. En parlant de la FCL, en fait...
un autre qui doit sûrement avoir la FCL dans son cœur, c'est Michel Plante. Puis tu as remporté le titre Junior Heavyweight de la NSPW en battant Michel Plante. Peux-tu nous parler de cette expérience? C'était en fait, c'est pas Michel que j'ai complètement battu pour. c'est pas lui qui a pris le pin, mais j'ai, mais oui, c'était c'est le fun, c'est vraiment le fun de travailler avec Michel. C'est quelque chose que je suis vraiment, vraiment contente de faire. Si je fais ce shoot, là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec Michel. Puis je pense que l'histoire qu'on est en train de raconter par rapport justement qui tourne autour du championnat junior heavyweight, que c'est lui qui l'avait, que j'y ai pris, que j'ai viré méchante, puis que j'ai tourné le dos expressément sur lui, puis que maintenant il retente de venir chercher sa ceinture. Je trouve que c'est les plot twists sont nice dans cette rivalité-là. Puis là, ça va. On verra ce que ça va donner en fin de semaine, parce que là, on a un gros match en fin de semaine. Mais oui, j'adore travailler avec Michel. C'est quelqu'un qui est incroyable. Ben Michel, là, il est tellement François, c'est un chic type, honnêtement. Moi, je me souviens à l'époque, tu sais, François, tu sais, il arrive de la RDW. Il était dans l'école de la RW. À l'époque, j'avais une promotion. Puis, c'est ça, dans le fond, François, tu sais, c'est le fun de voir toute l'évolution qu'il a faite, genre, après tout ça, tu sais, après toutes ces années-là, tu sais. Puis, c'est le fun de voir qu'il shine partout, tu sais. On le voit à toutes les fins de semaine, puis, tu sais. Il mérite tellement la tête. Garder encore, genre, sa tête. Tu sais, parce que c'est tellement, genre, des fois, quand tu pognes du spotlight, des fois, là, la tête, là, un peu, genre, ton thinking peut changer. Puis vraiment, je tout thumbs up pour Michel, honnêtement. Il est resté terre à terre. Puis, puis je sens que, ben, on ne se connaît pas beaucoup, mais je sens toi aussi, là, tu restes très terre à terre dans tes choix, puis tout ça. Puis, tu sais, j'aime vraiment ça. C'est des belles valeurs. Fait que, merci. C'est pas quelque chose que je pense qui va apporter quoi que ce soit à qui que ce soit, que le monde commence à s'enfler à la tête d'un backstage de lutte. Non, c'est ça. On en a tellement connu. Là. Écoute, ça fait 16 ans que t'es là. Puis, t'en as vu toutes les couleurs, j'imagine. Non? Exact. Ah non, c'est ça. Je veux dire, il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça. Puis, Non, c'est ça. À part la lutte, veux-tu un petit peu comment sortir un peu de la lutte, mais tu avais une question un peu plus. Ouais, on pourrait dire, c'est quels seraient tes objectifs pour les prochaines années dans la lutte? Ben, j'ai pas une question à laquelle j'ai beaucoup de réponses actuellement parce que. Je vois déjà la fin arriver. Là. Okay. Moi, je suis pas sur une lancée, j'essaie de devenir populaire à lutte. Là. Ça, c'est quelque chose que je sais qu'il n'y arrivera jamais. Puis ma tête est ailleurs. J'ai pas envie de percer à lutte, puis j'ai pas envie de commencer à prendre plus de booking. Okay. Puis je suis dans un moment dans ma vie où c'est le contraire qui se passe en ce moment. Je commence à penser au moment où je vais probablement accrocher mes bottes pour de bon. Ce ne sera pas bientôt, mais. Je commence à y penser tranquillement, puis je commence à mettre la table. Je pense que ce qui est le plus important là-dedans, c'est de commencer à mettre la table pour les recrues qui commencent à prendre d'assaut la scène locale québécoise en ce moment, puis que dans quelques années, c'est elles qui vont être big. Fait que je pense que c'est important. Si je peux utiliser ma notoriété puis mes opportunités pour aider, ben je vais le faire. C'est ça, de faire, ben, je ne vais pas dire un Lufisto 2, mais faire un Lou of Harrell 1, tu sais, sur le fait que tu vas vouloir transmettre ton savoir aux jeunes. Puis ça, là, ça vaut de l'or. Ça ne sert à rien de se faire une coupure, de dire non, je prends tous mes acquis, puis je m'assois dessus, puis je disparais. Je veux dire, ça me donne quoi, moi, dans la vie? Ça me donne rien. Si je peux faire quoi que ce soit pour aider les plus jeunes à se faire valoir, let's go! Je veux dire, la WWS, hier, là, j'ai pris le lose, là, puis j'étais supposé gagner. OK. J'ai viré pour un lose parce que je ne retournerai probablement pas à WWS parce que niveau disponibilité, moi, ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, je veux mettre les filles là-bas en valeur. Là. C'est leur territoire, en plus, c'est à Montréal. Je veux mettre le roster de la WWS en valeur parce que je trouve tellement que c'est un projet cool, puis je veux qu'il continue, puis je veux qu'il roule sur l'or, ces filles-là, puis je veux que ça pogne, que ça aille bien, puis je voulais participer au premier événement de Lufisto parce que je voulais l'appuyer là-dedans, puis je voulais montrer que je suis derrière elle, fait que j'ai participé à son événement. Tu nous parles que t'es très occupé au niveau de ton booking. Ma question, là, est la suivante, puis je pense qu'elle ne figure pas dans notre liste de questions, mais comment tu fais pour
on sait que tu as une famille, que tu as un ou peut-être des enfants. Là, j'ai pas fouillé. Comment tu fais pour consolider travail, famille, lutte, entraînement? C'est malade, là. C'est gros des compromis avec mon conjoint, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais c'est de limiter mes bookings. C'est comme ça que j'y arrive. Ouais, j'imagine. Je peux pas être maman. J'ai seulement un enfant. OK, OK. Et une petite pouliche de 3 ans. Puis je peux pas être maman, conjointe, travailleur temps plein. J'ai une maison à m'occuper. Je peux pas donner tout le temps que j'ai de libre à la lutte. Je peux pas faire ça. Ça fait pas de sens. Puis, tu sais, mon conjoint, il a ses propres hobbies qu'il a le droit de pratiquer aussi. Ah oui, c'est sûr. Puis, c'est pas à lutte. Fait que c'est ailleurs. Donc, lui, quand il fait son stuff, je reste à la maison avec la petite. Quand moi, je m'en vais à lutte, lui, il reste à la maison avec la petite. Je veux dire, c'est comme ça. Puis après ça, ça nous prend des fins de semaine pour, man, relaxer. Là. On peut pas passer notre temps à courir à droite puis à gauche. Non, ça n'a pas de sens. Là. Je réussis à concilier tout ça en limitant mes bookings à NSP et à Femme Fatale. Félicitations, c'est un pour avoir 2 enfants. Moi, j'ai une petite fille de 7 ans, justement, qui est en haut. Puis qui, je suis allé à l'hôpital. Hier, je pensais qu'elle s'était cassée la jambe. Là, elle va bien, là, elle est correcte. Ouais. J'ai un petit bonhomme de 2 ans. Il y a du gaz. Là. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est de tout patenter ça. Là, puis essayer de. Je te lève mon chapeau avec les horaires chargés, le travail. Puis tout ça, tu sais, c'est tellement difficile. Il y a des gens qui. Il y a des gens qui pensent que je devrais lutter plus que ça pour remporter les prix que j'ai gagnés, mais je dis, je peux pas, man. Je peux pas. Non, j'ai des limites de disponibilité à offrir à la lutte, puis je choisis la NSP. Ouais, c'est correct. C'est juste, tu parles de tes enfants, moi, ma blonde s'est fait opérer la semaine passée. Ouais, c'est ça, c'est la même affaire. Ma blonde, ils ont diagnostiqué un cancer du col de l'utérus, mais là, c'est correct. Là, ils ont enlevé le cancer, alors pas besoin de chimio. Là. OK, tant ça mieux. J'ai quand même passé 3 jours à l'hôpital. Ouais, c'est des affaires qui sont stressantes. Là. Ouais, je travaille de nuit en plus. On essaie de faire quitter ça, c'est pas évident. Hey, déjà 27 minutes, on veut pas prendre trop de ton temps. Juste en finissant, on a deux petites phrases, des keywords, dans le fond, juste en finissant. Je te donne quelques noms, puis en quelques mots, tu me dis à quoi ça te fait penser ou genre, qu'est-ce que tu penses de ça? Okay. Oh, tu me donnes des noms? Yes! Des noms de qui? Ah, c'est une surprise. OK, là, faut que je te dise, faut que je fasse quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Okay. Ouais, c'est du monde connu, rassure-toi. C'est du monde que tu connais. Là. OK, OK. Lufisto. Lufisto, c'est quelqu'un qu'on te... pas compte, mais... Que j'ai toujours regardé avec une très grande admiration. Super. John Cena. John Cena, c'est quelqu'un qui est plus sage qu'on pense. Ouais, je pense que oui. Ouais. Cody Rhodes. Cody Rhodes, I hope you can finish the story, man. ouais, j'espère, moi aussi, parce que là, j'étais un peu tanné, là. C'est ça qu'on parlait tantôt avant, là. C'est le tabou. C'est fou là, en ce moment, là, c'est les campagnes, là, c'est les médias sociaux. Les gens sont fâchés. Ouais, we want Cody, mais j'imagine qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Oui, il y a ceux qui ont un plan. Ouais. Parlez-en bien ou en mal, mais parlez-en, ça fait de la pub gratis. Oui, c'est ça. Les billets sont quasiment tous vendus là, pour Mania. Mickie James. J'aimerais ça l'affronter. Il y a quelqu'un qui a pitché ça dans le backstage de la NSP, puis il démarre pas. C'est Dylan Donovan. Il arrête pas de dire qu'il faut que j'apporte Mickie James. Et là, ce serait nice. Et pour terminer, Lou ou Farrell? Oh, bonne question. J'espère qu'elle va continuer à se faire du fun, puis qu'elle va apprendre à laisser de côté ce que les gens y pensent, ce que les gens moins importants pensent. C'est très important de ne pas... d'essayer de se mettre des œillères puis d'essayer de, tu sais, il ne faut pas que ça nous impacte. La vie va tellement vite de toute façon, tu sais, s'arrêter sur des points. On va apprendre puis en laisser, puis j'ai tendance à en prendre plus que d'en laisser, puis de me laisser envahir par des affaires que je ne devrais pas laisser faire. Et pour conclure, comme à l'habitude, mon partner Nastradabian, il sort de bord de French Prophet. Why to predict the future of our guests? C'est bon, je me trompe. OK, j'ai hâte d'entendre ça. Ah, tout d'abord, Lou, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir, j'ai eu beaucoup de fun. Ah, ben, j'imagine. Nous autres aussi, d'ailleurs.
Ben là, tu dis que tu étais à veille d'accrocher, dans le fond, ben, d'ici une couple d'années. Mm-hmm. Ben, j'imagine que la NSPW va te donner le. Ben, tu vas gagner le championnat du monde NSPW avant d'accrocher au moins une fois. Là. Oh, ça serait complètement fou. Ça serait encore... la deuxième après Lufisto, la deuxième femme après Lufisto, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis, oui, ça serait la deuxième femme après Lufisto. Puis, je veux dire, garoche dans l'univers, mais c'est ça serait quelque chose de très cool, je pense. Ça serait quelque chose ah, de oui, très cool. J'imagine. Ouais. Alors, ben, c'était un honneur que tu aies pu prendre 30 minutes avec nous. Nous étions avec Lou Biron, a.k.a. Lou of Arrow. Championne junior heavyweight de la NSPW. Merci beaucoup du fond du cœur. C'est vraiment cool que tu aies pris du temps avec nous autres. Ben, ça me fait plaisir. On t'embrasse. Passe une belle semaine. Ben, merci. On se retrouve très bientôt. Merci les boys. Bonne semaine. Bye bye. Bye.